Tu crois que Roger peut me marquer? S'il se met à côté de toi, tu verras plus rien. C'est parti, go! Johnny se débrouille. Bien joué, tu m'as battu. Il est rapide malgré sa taille. Faut bien l'admettre, il est rapide. À ton avis, il est plus rapide que moi? Tu veux que je te marque? Ok, pourquoi pas. D'accord. Mais je vais réussir à te semer sans problème. J'ai jamais été en aussi bonne forme physique. Je suis aussi agile et rapide qu'un chat. C'est parti! C'est pas très sympa pour lui, il a aucune chance de me battre. Bien joué, Johnny! Vous avez vu, c'est mon mec. On dirait que tu vas t'évanouir. J'ai pas trop compris. Mike arrête pas de dire qu'il a jamais été aussi en forme et pourtant, le petit Johnny l'a éclaté sur le terrain. Bon, on fait la revanche? Deux secondes. Vas-y, Johnny, mon grand. Trop sexy. J'avais déjà prévu de coucher avec Johnny ce soir parce que ça me manque trop. Mais maintenant que je l'ai vu battre Mike, je peux vous dire que ça va être encore plus chaud pour lui. Il va être gâté ce soir. Santé! Vinny et moi, on est montés ensemble. C'est vrai, Vinny, t'es monté là-dessus avec Polly? Ouais. Alors Polly sera bientôt ma nièce. Honnêtement, c'est le meilleur été que j'ai jamais passé ici. Cette année? Oui. Je me suis bien amusée. Fini les crises. Oui, j'ai évité ce genre de situation. Ras-le-bol de toutes ces crises et toutes ces disputes. Je ne me suis pas disputée avec Ron. C'est super. Tout roule entre nous. J'ai vécu des trucs dingues avec Ron. On a traversé pas mal d'épreuves, on a eu des hauts et des bas, et ça a dégénéré parfois. Je veux plus rien avoir à faire avec toi. Tu dors plus dans cette chambre. Vire tes affaires. Arrête, espèce de malade mentale. On est unis par des liens très forts. Les autres ne peuvent pas comprendre ce qui se passe entre nous. Tu nous dis que tout va à merveille avec Ronnie, mais qu'est-ce que ça signifie au juste pour la suite? J'ai l'impression qu'on est prêt à passer à la prochaine étape. On aimerait vraiment s'installer ensemble. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Tu penses pas qu'il est grand temps qu'on s'installe ensemble? Depuis le temps qu'on est tous les deux? Elle m'a dit qu'elle comptait s'installer à New York. Il faut que je prenne une décision, mais je crois qu'on est prêt. J'ai qu'une seule chose à te dire. T'as tout le temps, t'es encore jeune, alors profites-en. Mon père n'est pas sûr que ça va marcher avec Sam, vu qu'on n'a pas arrêté de se séparer et de se remettre ensemble. Je peux être honnête avec toi? Quoi? Ronnie et toi, vous avez connu des débuts difficiles, et encore, c'est peu dire. Ça n'a pas tous les jours été facile entre vous. Toutes ces disputes, cette violence... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Réfléchis, juste. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Tout ça change rien au fait qu'en ce moment, je suis super heureuse. Je l'espère, et j'espère que ces mauvais moments sont passés. Ça sert à rien d'en parler. Comme tu veux. Franchement, ça m'énerve. Mon père n'a pas confiance en Ron, ce que je peux comprendre. Mais j'espère qu'il va réussir à dépasser ça et essayer de bien s'entendre avec lui. Au revoir, maman. Je t'aime. Au revoir, papa. Rentre bien. Merci pour tout. Je t'aime. J'ai passé une super soirée avec toutes nos familles et nos amis sur la plage. Je suis un vrai Italien, j'adore les grosses fêtes de famille, mais malgré tout, je peux pas m'empêcher d'être un peu triste. C'est la fin de l'été, je sais que bientôt, on va devoir tous se séparer. J'éteins ce feu qui représente tous les étés qu'on a passés ici. Ça y est, la fête est finie.